Bonjour, c'est moi Philippe. Voilà, aujourd'hui nous allons rouler sur la Dix Carnot. Nous sommes mardi 17 mars 2015. Nous allons rouler pour réparer la digue qui est cassée avec les intempéries. Voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. On va commencer par stabiliser l'appareil photo. Voilà. Alors, c'est pas évident. Oh, c'est tout démoli, hein. On a beaucoup de travail. Alors vous voyez, là, il y a des pêcheurs. Hein, la marée est basse, et pas basse, mais elle commence à baisser. Hein, ici, vous avez en face, hein, vous avez, on a la digue, hein, tout droite. Voilà. Je vais remettre mon téléphone droit. Là. Voilà. Et on va reculer sur cette digue de manière à pouvoir alimenter le camion qui se trouve au bout. Une pompe. Voilà. Si vous avez un camion là, qui reste. Alors lui, il ne peut pas s'engager sur la digue parce que les gars ne veulent pas, ils ont peur de rentrer sur la digue avec leur petit camion. Alors que moi, j'ai un gros camion. Voilà. Avec 9 mètres cubes de béton. Tout ça pour réparer des trous. Des petits trous. Voilà. Alors. Comme je vous ai montré la vidéo tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Là, ici, on va à manière reculant. Bon, là, sachant qu'on a beaucoup de soleil et on est ébloui. On a du mal à voir ce qui se passe. Le reflet de l'eau, c'est pas bien. Voilà. Les gens viennent voir, hein, les camions. Ils viennent voir les camions reculer sur la digue. Oh, parmi les pêcheurs, parmi tous ces gens. C'est quoi cet homme-là? Mon brave monsieur. Alors là, le soleil reflète dans l'eau, hein. C'est gênant, quoi. Très gênant. Pas non plus écraser les bonhommes. Bon, tout à l'heure, je l'ai fait à marée haute, hein. Maintenant, c'est marée basse. C'est plus pareil, hein. C'est encore plus. Comment dire? Ça fait encore plus d'effet. Parce qu'on arrive à une hauteur. Une belle hauteur. Et moi qui ai tendance à avoir un petit peu le vertige. Ben voilà. Lorsque je regarde là, ça, le remous de l'eau. C'est pas évident. Le tout, c'est pas très serré à droite trop, et pas trop serré à gauche. Qu'on gêne un peu les pêcheurs, mais après on n'a pas le choix. Hein. Aujourd'hui, hein, c'est pas évident. Faut qu'on travaille, hein, pour qu'ils puissent venir pêcher tranquille. On travaille pour eux, pour ainsi dire, on travaille pour eux, pour ces gens-là. Qui relaxent, hein, regardez. C'est pas belle la vie. Ouais, elle est belle la vie. Pour certaines personnes, elle est belle la vie. Je vais doucement parce que c'est vert et la verdure ça glisse sur la digue parfois. Alors faut pas faire le nanar comme on dit. Vous comprendrez ça, hein, d'ailleurs.
Je sais que c'est pas évident, c'est pas évident. Cette petite vidéo qui se trouve actuellement sur YouTube et sur Facebook, sur mon site. Voilà. Parfois ça intéressera quelques personnes de regarder la vidéo. Faire une petite idée du travail que je fais à mon âge encore, à 58 ans. Toujours dans le transport avec les grosses toupies de béton. Là j'ai un porteur 9 mètres cubes, 32 tonnes. Je roule sur la digue avec. Ah. Je vais y venir avec un semi aussi, un semi-remorque. Avec 10 mètres cubes ce coup-ci. Bientôt. Ça sera encore moins évident. Parce que j'aurai pas le droit à l'erreur, faut avancer, reculer, avancer. Faut toujours se mettre droit quoi. Une fois qu'on s'est engagé, après c'est tout. Hein. C'est une question de. Bon. Faut pas avoir peur. Et... Tout à l'heure, il y avait beaucoup de soleil. Enfin, il y a toujours beaucoup de soleil, mais j'ai moins. Je suis moins. Le temps est plus clair encore. Donc je suis moins. Ébloui. Excusez-moi parce que bon, je suis très attentif en même temps. Vous voyez, il y a des trous à terre, je ne sais pas si vous les voyez. Des petits trous, ça. C'est des petits, hein. Ça a été démoli avec les intempéries. Et vous voyez tout de suite en bas à ma droite, là, la France. Voilà, les poubelles. On laisse les packs de bière là, les gens, les jeunes qui viennent voir ce soir. Ils ramassent pas, il y a des poubelles là-bas au bout pourtant, mais bon. On n'a rien à foutre. Voilà. La France. Voilà, j'accélère un peu parce que c'est un peu plus sec déjà. Il y a moins d'eau. Sur la digue. La digue Carnot, au Portel. Voilà, vous ne l'avez pas dit peut-être. Les gens, c'est qu'à la pêche, hein, est obligé de monter sur le mur. J'espère qu'il n'y aura pas de touche, qu'elle part pas bouillant. Un gros poisson au bout. Enfin, tout à l'heure j'ai vu un phoque alors. Donc j'ai vu un phoque tout à l'heure, ça m'étonnerait qu'il arrive à pêcher le poisson. Hein. Ça effraie plutôt le poisson, ces animaux-là. Hein. Ben, c'est mammifère marin. Un phoque, c'est un mammifère marin. Ben, je passe pas large, hein. Il y a 3 mètres à te dire. Hein. Bon, entre le bonhomme, ici ces endroits-là ils font 3,20 m. Hein. Après là-bas au bout vous avez 3 mètres, ça augmente un tout petit peu, 3,50 m. Là où il y aura les fourgons derrière, vous devez les passer après. Là. Bon, ici ça va parce qu'il y a de l'eau, hein, donc on n'a pas de sensation d'être en très haut. Mais lorsque c'est marée basse, il y a 10 mètres hein, sur les côtés. Là, ça fait une sensation. Bon, faut pas avoir le vertige, hein, mais bon. C'est assez impressionnant. Ouais, là, j'ai reculé un kilomètre peut-être déjà. À peu près. Je dirais exactement tout à l'heure, à la fin de la vidéo, combien de kilomètres. Les gens regardent bien sans leur touche pas leur canapé, c'est un peu normal. C'est un investissement en pêche. Ça coûte de l'argent. Ça rapproche un peu du mur. Ben, nous sommes le 17 mars. Et je suis sur la digue, elle fait 12 degrés. Avec un beau soleil, pas de vent. Mer d'huile presque. On appelle ça une mer d'huile, hein. L'eau bouge à peine. C'est super quoi. C'est le temps idéal.
On peut même attraper des coups de soleil de ce temps-là. 2 degrés, hein, c'est pas mal. On n'est pas dans le sud de France. Nous sommes dans le nord. Le nord, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Un peu de musique. Oui, tu parles de la mer. Ce dimanche signe de retour, ce qui signe sa peau. Voilà pourquoi, sinon, I see my song of you. Pour plus beau bateau et jolis avions, la laisse tranquille rêveuse à la maison. Que ses itinéraires, toutes ses croisières. J'arrive au niveau des fourgons là. Ici il faut faire attention. Parce que là je suis près du bord. Voilà pourquoi tu m'as Regardez, il s'appelle Silver. C'est Silver. Silver. Mais coucou Silver. Mais coucou. Allez, on va remballer le bas.